Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frères et sœurs bien-aimés, membres de l'Église par chrétien, Frère Maxime, comment nous y matin? Comment ce maintenant t'aillé? Comment jouyé? Réponds-moi non. Comment ce maintenant t'aillé? Comment jouyé? Comment nous passer? Moment difficile. Yo. Moi saluer nous tout matin dans le nom de Jésus. Et m'a profité occasion ça pour me dire n'importe côté nous y c'est pour nous qu'embé ferme dans la foi. Nous même qui gaillons un peu partout en Haïti. Nous même qui gaillons un peu partout dans Port-au-Prince. Mais vendredi jeudi à c'est le temps de la pratique. Ça fait longtemps à prêcher. Ça fait longtemps à faire théorie. Mais je vous dis, c'est le moment pour nous participer. C'est le moment pour nous exercer la pratique de la foi. C'est vrai ou l'Église? C'est le moment de la pratique dans la foi. Et c'est pour raison ça maintient avec joie. C'est vrai qu'il y a douleur, c'est vrai qu'il y a tristesse à l'Église. Mais je salue. Et je dis maintenant du courage, la fidélité dans le Seigneur. N'importe côté où il est, maintenant, on dit fidélité dans le Seigneur. Je dis persévérance dans le Seigneur. Ça nous y est aujourd'hui. Ça nous est passé aujourd'hui. Il n'est pas arrêté pour tout le temps. Et c'est un message, ça me vient porter pour nous matin. Mais avant, je voulais dire non, du courage. À nous pratiquer, à nous faire pratique de la foi. À faire pratique de la fidélité. À faire pratique de la persévérance. Moniteur, monitrice, prédicateur, membre d'accueil, collègue, pasteur, diacre, président, groupe choral, chœur d'adoration, musicien, ingénieur, team média, membre de l'église, méthodiste libre, n'importe côté matin, mais de nos combats spirituels, par la vie, qui me ferme en Jésus. Juste avant que nous lisions la parole de Dieu, qui va sujet des méditations au matin, on prie le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, Papa nous qui est dans ce ciel-là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, et c'est pour nous louer. Ou même, Seigneur, qui a tout pouvoir, ou même qui a toute puissance, et ou même qui a toute autorité, nous venons devant matin au Dieu en ce dimanche 17 mars 2024, avec nos frères et sœurs, alléluia, avec l'Église méthodiste libre par chrétien Seigneur, nous gaillons, c'est vrai, mais nous étions unis dans la foi. Nous avons une poutée, la jeunesse, barou, nous poutée les enfants, les dames, les hommes, les couples, les chorales, les musiciens, les diacres, les pasteurs, les prédicateurs, les moniteurs, les monitrices, les brigadiers. Nous portons toute l'église là, entièrement bas au matin. Ou même que c'est bon Dieu, le Dieu de toute consolation. La prend force, la prend courage. À deux bras pour nous servir dans la crainte, dans la fidélité, dans la persévérance. Dans un jour difficile, ça y est, alléluia. Béni, ô Dieu, frère, nous, qui parle tant de messages, paroles, ça, matin. Par nos paroles de réconfort, dans le moment difficile que nous y est. Nous connaissons pas la vie, nous. Nous prions pour le pastorat de l'église. Sois avec, ô Dieu, tes servantes et tes serviteurs. Nous remettons une mère. Parce que James Iralier, pasteur Gabriel Duprat.
Pasteur Josué, ton serviteur. Pasteur Dolus, ton serviteur. Et moi-même, oh Dieu, nous remettons nos mains. Fais grâce. Tout le monde qui voulait décourager qu'on est au Dieu, par une parole de la foi, fait nous connaître nous un examen et fait nous passer de cela. C'est pour nous bénir matin, bénir responsable groupe, yo responsable choral, fait l'église à camper dans un moment difficile ça, pour ne pas perdre la foi. Que nous bénir matin, que nous exalter au nom de Jésus. Nous prions, nous avons qu'à prier pour tout le temps et pour toute l'éternité. En nous crions, Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, me saluons une fois de plus dans le nom de Jésus. Et maintenant, dans un moment difficile ça que nous y est, dans une matinée difficile ça que nous y est, dans un jour, dans une semaine difficile ça que nous y est, je viens porter la parole de Dieu pour nous dire que je suis ferme dans la foi. Et c'est comme ça, je vais inviter nous à ouvrir la Bible avec moi. Oui, donc il y a plusieurs textes bibliques matériels que nous allons considérer dans le message de la parole de Dieu. Premièrement, que nous avons tiré dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er et 2. Mais m'a considéré en attendant, m'a appelé verset 1er dans 2 Timothée chapitre 3. Ou même cap adorer avec moi, ou même cap tendre moi, ou même cap garder moi. M'a pas vite prendre bibou. Chita ensemble pour nous parler. Alléluia. Moi salue nous. Chita ensemble pour nous parler. Pour nous qui provision que la Bible les fait pour nous matin. Alors dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, Paul va adresser à Timothée son fils dans la foi. Nous connaissons Timothée était jeune, il t'a grandi spirituellement aux côtés de l'apôtre Paul qui fait des expériences. Et Paul, dans un moment difficile, il connaît que tu as frappé le monde. Dans un jour difficile, il connaît que tu as frappé l'église. Et il écrit à Timothée pour le dire, mais qui message pour bannir l'église là? Est-ce que nous t'as dit matin? Et ça, c'est un message apocalypse. C'est un message du dernier temps. C'est un message de temps difficile. C'est un message de temps de trouble. Dans la même situation que nous y est aujourd'hui. C'est un message de trouble. Un message de temps difficile que nous tirons dans 2 Timothée chapitre 3. Les versets 1er, et Paul dit, attendez, il dit, sache que, faut lire avec moi, regardez parole ça, matin, prends plume pour écrire, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Réponds-moi non. C'est pas tant difficile aujourd'hui, non? Tant difficile aujourd'hui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et bon, bah, on a un texte biblique. Et c'est intéressant, je vais inviter à fêter la Bible avec moi, avec un sujet, message, parole, bon Dieu pour matin. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 et verset 9. Encore l'apôtre Paul, tandis que ça a été écrit pour te dire les chrétiens de Corinthe. Cherchez-nous avec moi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 et verset 9. Mais ça, Paul dit, tant de l'église. Ouvrez Bibou et lis avec moi. Cherchez-nous.
nous sommes de toute manière. Alors, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Que mes paroles saillent. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonné, alléluia, abattu, mais non perdu. Prends parole ça pour vous, matin. Et c'est parole ça qui donne force. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Est-ce que vous entendez sa parole, bon Dieu dit, Jean-Paul était inspiré pour le dire à Timothée, nous sommes pressés. De toute manière, nous sommes pressés, mais non réduits à l'extrémité de la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non brisés. Et maintenant, avec deux textes, moi j'ai un troisième texte. Que nous valide tout à l'heure, que nous tirer dans 2 Chroniques chapitre 15, les versets 1 à 7. Prends du temps, hein? Le premier texte était 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est de ça, c'est 2 Timothée chapitre 3. Mais à l'église de Corinthe, Paul va avoir l'autre message. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 8 et 9, que nous sautons lit. Et m'a tiré un sujet. Dans le titre que nous allons passer ensemble, membres de l'église par chrétien. Chita, camper pour nous, adorer mon Dieu matin, pour nous vivre la parole du Dieu. Le message que bon Dieu voyait pour l'église lit. Matin, et sujet que tu as envie de traiter dans le texte, ça y est. Sujet que tu as envie de traiter dans un moment difficile, ça y est. Attendez, c'est le temps difficile, une réalité pour l'Église. Est-ce que tu as dit samedi là? Le temps difficile, une réalité pour l'Église. C'est sujet. Message, parole, bon Dieu pour Matthieu. Dans sa deuxième épître à l'église de Corinthe, que de nos autres liens, Paul a développé des concepts des temps difficiles, des concepts, des termes pour tenir ferme dans les temps difficiles. Ah, nous faisons plus de théorie, oui. Nous faisons théorie dans les jeunes. Nous faisons théorie chaque dimanche matin. Nous faisons théorie dans les services à domicile. Mais je dis, honnêtement, je veux dire, nous de la pratique. Dans le concept que Paul développé, il dit, pour nous tenir ferme dans les temps difficiles, l'Église nous gagne pour nous traverser des temps difficiles. Et Paul était en prédit ça. Les chrétiens dans la foi, les chrétiens dans la persévérance, les temps difficiles sont venus. Faut que nous mettions en pratique la foi, nous. Faut que nous mettions en pratique persévérance, nous. Faut que nous mettions en pratique la vie chrétienne, nous. Et nous venons au matin. Ou c'est chrétien ou c'est chrétienne. Ou c'est jeune chrétien ou c'est jeune chrétienne. Petit moment, ça nous est là. Merci Seigneur, il n'est pas qu'à durer pour tout temps. Alors, Paul développait plusieurs concepts. Les épreuves. Paul parlait de les épreuves. Paul parlait de plusieurs concepts à l'église de Corinthe. Dans plusieurs concepts, il écrit à Timothée. Il parle des
épreuve. Il parlait de discipline dans l'église. Il parlait de l'espérance. Il parlait de la libéralité. Et il parlait de la sainte doctrine. Il faut faire attention. Il faut parler de sainte doctrine tout petit. Je vous dis, c'est pas petit bagage qu'on a dit sur la Bible. Mais nous connaissons la parole de Dieu. C'est le roc solide. Nous besoin de camper sous lui pour ne pas ébranler. Tout ça, mon abdi, je dis à Dieu, attaquer la foi, nous. Alors, Christ est le roc solide. Oui, les temps difficiles, une réalité pour l'Église. Ça va passer, yo. Nous t'avertis déjà. Mais peut-être, nous ne comprenons pas, c'est comme ça, où t'as venu. Mais la Bible dit nous ça déjà. Dans ce concept, ça, yo, dans ce thème, ça, yo, que l'apôtre Paul parlait de épreuve, discipline, l'espérance, libéralité et la sainte doctrine, on va considérer deux dans le concept ça. On va considérer les épreuves et l'espérance. Moi, je voulais rappeler que bon Dieu même, lui-même, qui tire les Paul, non, je dis ça, hein. C'est bon Dieu même qui relie Paul. Et il commissionne l'apôtre Paul qui avant relie Saul. Saul, le grand persécuteur, le zélé, le pharisien zélé, le grand persécuteur de l'église. Paul mettait main, bon Dieu, mettait main sous Paul, pardon. Bon Dieu, mettez mes sous Paul. Pendant que Paul va persécuter l'église. Ah, sur la route de Damas, dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Et Paul va connaître qui est-ce qui relie l'Éternel des armées. Mon prend Actes des Apôtres, chapitre 9, pour me dire non, que ce n'est pas Jodhia, non, l'église en persécution. C'est courir n'a couru. C'est quand nous nous quitter. C'est déplacer non déplacer. Mais c'est pas aujourd'hui à nous l'église en difficulté. Paul t'a pas maltraité chrétien yo. Et sur la route de Damas pour te frapper. Mais vous m'avez dit quelqu'un m'a dit il faut pas quoi comprendre. Dans situation ça que nous y que nous les épreuves. Dans situation ça que nous y nous les tribulations, ou changer ce texte dans le livre, dans 2 Corinthiens chapitre 4, là, verset 8, là, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais nous réduits à l'extrémité. Ça veut dire, nous n'avons pas fini, non? Non, nous n'avons pas fini. Alléluia. Oui, la situation paraît difficile. Nous n'avons pas pensé pour nous monter, nous n'avons pas pensé pour nous descendre. Nous là quand nous nous sentons nous pas bien. Nous quitter quand nous courir nous pas rien. Mais côté espérance, ça c'est épreuve nous lier. C'est là ça pour nous compter et sur mon Dieu. C'est vrai oui. C'est les épreuves une réalité. Pour l'église c'est très difficile. Une réalité pour l'église. Alors, l'église toujours connaît toutes sortes de souffrances. L'Église toujours connaît toutes sortes de persécutions, pas vrai? Ah, il était même Paul, ça, qui a persécuté l'Église là. Vous devez une balle puissante, vous devez une balle autorité. Pour la prier pour les gens qui sont malades, il a guéri. Pour la ressusciter les gens qui mourent et pour le malade. Moi, je pense que la porte de Paul a mis des souliers, moi, je mets accent pour me dire que la vie chrétienne, même, tout le monde qui voulait. Vivre pieusement pour les seigneurs seront persécutés. C'est là de nous, là, je dis, ah oui. Nous relâmes-t-il. Mais nous n'avons pas réunis, nous n'avons pas chrétiens. Mais nous gagnons tout côté. Eh bien, bandits, fait nous quitter caille nous. Malfaiteurs, fait nous quitter caille nous. Mais bon Dieu, on nous crie Alléluia. Bon Dieu, écoutez-nous, il y a bon Dieu, pas quitter nous seuls.
Moi, je veux rappeler que les épreuves, ils ont fait partie de la vie chrétienne. Oui. Les tribulations, ils ont fait partie de la vie chrétienne. Les difficultés, ils ont fait partie de la vie chrétienne. Courir, monter, courir, descendre. Ils ont fait partie de la vie chrétienne. Tête chargée, nouillée, aujourd'hui. Ils ont fait partie de la vie chrétienne. Et bien, disons, les épreuves sont considérées comme des tests. Nous avons nourri la l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, merci Seigneur. Épreuve, c'est test que vous avez. Épreuve, c'est examen que vous avez. Et m'a dit que ça, épreuve, détresse, matin, vous avez besoin de développer la caille des attitudes positives, de comportements positifs. Ça nous est jodia doit développer la caïnou des qualités. Ça l'a traversé jodia l'église par chrétien. Frères et sœurs bien-aimés, ou même qui États-Unis qui a prié pour nous, ou même qui est famille en Haïti. Oui, c'est vrai, nous avons un moment difficile. Mais on doit développer la caïnou des qualités. Premièrement, yo doit développer la caïnou la patience. Yo doit développer la caïnou l'obéissance. Amen. Yo doit développer la caïnou la patience. De Corinthiens chapitre 2, le verset 2. De Corinthiens chapitre 2. On regarde le texte avec moi. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Prends Bible. Car je vous attriste. Qui peut me réjouir sinon que celui qui est attristé par moi? La parole de Dieu. J'ai résolu donc, verset 1er, j'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Attendez. Bon Dieu dit que il pas vrai. Alors Paul écrit à l'église de Corinthe, Paul dit m'pas retourner la caille pour me venir dans la tristesse. Bien que tristesse là. Bien que angoisse là. Bien que persécution là. J'ai noté lui dans 2 Timothée, dans 2 Corinthiens chapitre 4. Paul dit non, nous pas quitter tristesse pour que nous aller. Et à l'église de Rome, Paul écrit au chapitre 8, verset 35 à 39. Pas oublier, non, sujet nous matin, c'est les épreuves. Ah oui, c'est une bonne occasion dans la vie chrétienne. Pas vrai l'église? Les épreuves, les temps difficiles. Une réalité pour l'Église. Dans le temps difficile nous y est aujourd'hui, son réalité liée pour nous, frères et sœurs bien-aimés. À l'Église de Rome, le chapitre 8, il faut y garder. Moi, je vais nous considérer plusieurs textes avec mon matin. À nous garder dans Romains, chapitre 8. Aux Romains, chapitre 8, les versets 35 à 38 ou à 39. Romains, cherchez dans la Bible, nous cherchons. Romains, la parole du Dieu, la parole de réconfort, la parole qui a nous force matin. Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39. Est-ce qu'on jeûne? D'arrêter mon garder et faire lecture avec moi. Verset 35. Et Paul dit à l'église de Rome, attendez,
qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question, pas vrai? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et Paul commence à citer. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril ou l'épée? Est-ce que tu lis? Par contre, qui parole à Kimbe? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Allez? La tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution dans sa nouille aujourd'hui? Ou la faim? Pas de travail, nous quittons le cas, nous sans rien. Pas de la banque, pas de marché. Nous pas qu'à faire une pote. La nudité, nous quittons le cas, nous avec ratou pour nous. Le péril ou l'épée. Le verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus. Et attendez ça, Paul dit. L'église, n'a rien, où est vivre par ça. Il dit, attendez. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Avez-y, la Bible a fait provision pour nous déjà, l'Église. Si moment ça n'a pas dû séparer à Christ. Au contraire, moment ça n'a pas, c'est moment qui a bas nous vitamine. C'est moment qui a bas nous engrais. C'est le moment qui peut augmenter la foi pour nous devenir plus forts dans l'évangile. Car c'est l'église où il y a. Car frère l'église où il y a. C'est pour qu'on écoute mieux. Ça ne peut pas arrêter comme ça. Si tu as rappelé le message que nous avons prêché le 1er janvier 2024, côté bon Dieu, tu es inspiré dans le texte de Moïse, le prophète. Bon, il te dit à Moïse, par la voix de Aaron le prophète, il te dit, dis Moïse, parole ça pour moi. Moi connais nous là. Dis aux enfants d'Israël, moi connais nous là. La tribulation était en Égypte. Ah, l'église, même pas chrétien, bon Dieu connaît nous là. Nous-mêmes qui gagnons en haut d'Elma. Nous même qui gagnons de ma 30, Christ roi, Koda Daout, Aoupo, de ma 19, Kara 2, Pétionville, nous même qui allons dehors, n'importe côté nous y est, bon Dieu qu'on est nous là. De ma 32, de ma 31, de ma 33, de ma 41, de ma 75 ans, n'importe côté nous y est, vin dit nous matin. Même si nous ne sommes pas réunis physiquement, mais m'a dit que bon Dieu connaît nous là. Pas découragé, non. Qui nous séparera de l'amour de Christ? En rien. Parce que qui sont aujourd'hui? Moi, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine, j'ai dit, ou même matin, n'apprends attitude, n'apprends comportement aux eaux, attendez. Nous changeons parabole Christ là. Entre Ozoa avec chaîne. N'a pas attitude Ozoa. N'a plié.
n'a prêté doucement, n'a prié. L'église pas chrétienne, nous avons dit samedi, n'a prié, n'a prêté doucement, n'a prié. N'a prêté vieux l'eau sale, ça a fini de passer. Alléluia. N'a prêté vieux vent, ça a fini de vanter. Non, pas le poté, non, pas le poté. On va pas le poter, l'estomac nous balie. N'a prié. N'a prié, n'a quitté le fin de passer. N'a bien comportement aigle là. Comment mal arriver dans la ville, il fait silence pour prendre force. N'a fait silence pour prendre force. Parce que nous pas gourmer à sa noue à là. Parce que qui sont ça, nous pas capables avec. Mais il met cul. L'éternel des armées. Et bien, montez pour un texte, Romains chapitre 8, là, vous dites que, pas quitter, pas qu'à ça, on sépare, pour dire non. Il n'y a pas sépare avec l'amour de Christ. La situation actuelle, pas qu'à sépare avec l'amour de Christ. Et, dans 2 Chroniques, chapitre 15, les versets 1 à 7. Ah, vous connaissez, à nous garder, non? Ouvrez la Bible avec moi. Dans 2 Chroniques, nous parlons de grâce dans l'Ancien Testament cette fois-ci. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, les versets 1 à 7. Alors, attendez. Alors, est-ce que je n'ai déjà? Bon petit temps. 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Némi, Esther. 2 Chroniques, chapitre 15, les versets 1 à 7. Ah, allons lire la parole de Dieu. Allons lire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Le verset 2. Et Azaria alla au devant d'Aza et lui dit, écoute-moi, Aza, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Par exemple, il faut souligner l'église. C'est Azaria qui a parlé le message que bon Dieu t'a confié à Azaria. Comme dit-on souvent, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Vous comprenez par ça? Bon, faut dire que l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Eh bien, moi confiant et moi rassuré maintenant nous-mêmes, nous avec bon Dieu et bon Dieu avec nous. Pas qu'il te décourage même pour te nous aller. C'est pas quoi qu'il faut, oui? L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. On nous cherche mon Dieu dans un moment difficile là. N'a pas joué ni. Découragement. Découragement capable pas faire nous abandonner. Et moi, je vais vous dire ça. Il dit, si nous avec bon Dieu avec nous. Et côtoyer là dans Delma 13. Côtoyer là dans Delma 30. Dans Kodada, zone Nazo. Delma 31, village, solidarité, dans la zone côtoyée, Delma 19, Delma 17, Caradu, Delma 75, depuis côtoyée, zone avenue Poupla, côtoyée, canapé vert, Pétionville, n'importe côtoyée, moi vin du matin, la parole de Dieu garantit, nous lui dit, sinon avec bon Dieu avec nous. Est-ce que sentez-vous avec bon Dieu matin? Et ce sentez-vous avec bon Dieu nous dit amen alléluia. Oui, amen alléluia. Nous avec bon Dieu, vous êtes avec nous. Et deuxièmement, puisque nous avec bon Dieu, nous cherchons bon Dieu, nous joignons. Tes difficultés ça, tes persécutions ça. Ça n'a pas aujourd'hui, n'a couru monter, li pa ka fini avec. Et moi, et par la dit, si vous l'abandonnez, pas même envie de parler de ça, non, même lui quand même. Pendant longtemps,
Il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Verset 4 du Chronique chapitre 15. Tenez bien, oui. Au sein de leur détresse. Dans qui ça nous remarque, hein? L'église. Parole ça ouf, t'es fort, hein? T'es faute. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pas les bons dieux, non? Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Cherchez mon Dieu, l'abjoigné. Avant de dormir, cherchez mon Dieu, l'abjoigné. Avant de sortir, c'est une carte sortie, cherchez mon Dieu, l'abjoigné. N'a qu'à écouter mon femme, cherchez mon Dieu, l'abjoigné. Au sein de la détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moi, vite au matin, pour chercher mon Dieu dans la détresse. Oh. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous avons cherché dans le moment de détresse là. L'Église a cherché. Les hommes, les dames, la jeunesse, les enfants, les ouvriers, les diacres, les pasteurs, les moniteurs, les monitrices, les brigadiers, le chœur d'adoration, ingénieurs, immédiats, musiciens, oh Dieu, équipe nettoyage, n'a cherché où le pastorat, n'a cherché où. Fais-nous joindre, nous, dans la détresse, dans la difficulté. Dans la détresse, nous, bon Dieu, pas blaguer. Dans la difficulté, nous, bon Dieu, pas blaguer. Dans la sanoué, je dis, nous mettons chercher, mon Dieu. Nous mettons tendre, rester en silence. Mon Dieu, pour le parler. Dans ces temps-là, point de sécurité, verset 5, pour Israël, oui, t'en dis. Alors, vous n'avez pas nous-mêmes, matin. Hein? Amen. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants de la terre. Verset 5, là, c'est pour nous, les Juifs, pas chrétiens. Et pour Haïti, oui. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Courir, monter, descendre, pas de sécurité. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Dans qui ça nous aujourd'hui? Pas vrai? Mais tenez ça pour Dieu, dit. On se heurtait peuple contre les peuples. Ah, bon Dieu fait provision. Ville contre ville. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, mes paroles là, matin, l'église. Vous donc, fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ah, m'a dit au matin. Persévérance ou la foi, amen, fidélité, attendez, il y a un prix pour ça. Ou même quand kembe dans la foi, il y a un prix pour ça. Attendez. Ou même matin, qui attendait la parole de Dieu, il dit dans le verset 7e, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Persévérer. Connaît que bon Dieu n'a servi à lui dit si nous avons, il est avec nous. Dame de l'église, nous avec bon Dieu, pas vrai. Les hommes de l'église, nous avec bon Dieu. La jeunesse, le pastorat, le monitorat, le diaconat, ou les groupes, les chorales, nous avec bon Dieu, pas vrai. Bon Dieu, pas blaguine. Le team média, nous avec bon Dieu, pas blaguine. Il fortifié, pas quitter, mais nous affaibli. Cet esprit a bas nos forces. Cet esprit a bas nos courages. L'Église, dans un contexte qui est difficile, que nous y est aujourd'hui, parce que ça bat nous l'espoir. En y est absolument, en y est pas de séparine.
rien, absolument rien, pas de décourager, rien, absolument rien, pas de faire perdre la foi. Les temps difficiles, c'est une réalité pour l'Église. Nous avons un examen, attendez, qui est ferme pour nous passer de cela. Kotoyeya, dans courir monter descendre dans va et vient dans persécution dans courir ça et là dans dormir caille monde c'est nos examens que nous y bon Dieu ouais à nous crier alléluia bon Dieu ouais c'est pour bon Dieu fortifier au matin c'est pour bon Dieu ba au courage matin qu'on est nous nos examens n'a pas et n'a couché bien bas n'a quitté mauvais vent passé. N'a couché bien bas. N'a quitté vieux vent, vieux de l'eau sale la passé. N'a pris attitude rousoua. N'a crampé pour nous chanter la gloire de Dieu. N'a crampé pour nous faire action de grâce. N'a crampé pour nous faire louange pour mon Dieu. N'a crampé pour nous remercier le Seigneur. Pas faire vieux bagaille dans le moment ça. Pas profiter de temps ça pour perdre la foi. Oui, son réalité est en difficile à lier aujourd'hui. Et ça, Paul te dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, qui s'annoye aujourd'hui? En nous criant ensemble, Seigneur, pays à nos mères. Seigneur, pays à nos mères. Seigneur, Delma nan mer. Seigneur, pays à nos mères. Seigneur, Delma nan mer. Si nous pas abandonner la foi, bon Dieu dit pas quitter nous. À nous passer examen. Et nous pas besoin moyen sec. Moyen sec pas moyen l'église. Moyen sec pas moyen. Nous pas besoin moyen six. Moi, je n'insiste pas moyenne pour examiner ça. C'est pour nous gommer, pour nous faire moyenne 9. Moyenne 90, 95. Moyenne 90, 99% pour nous faire. Parce que nous avons une provision dans la main. Des temps difficiles, persécution. Bon Dieu, pas blague, non. Les connaissons là. Que bon Dieu couvre l'église. Que bon Dieu cache l'église. Que bon Dieu couvre les hommes. Que bon Dieu couvre la jeunesse. Que bon Dieu couvre les dames. Que bon Dieu couvre les enfants. Que bon Dieu couvre le pastorat, le diaconat, le monitorat. Que bon Dieu couvre le manque d'accueil. L'équipe nettoyage et dames missionnaires. Les hommes, que bon Dieu couvre. Cœur d'adoration, musiciens, team média, ingénieurs. Que bon Dieu couvre. Que les femmes de la foi. Et avant longtemps. La retourner dans l'église par chrétien pour nous pousser, pour nous déclarer, pour nous éclater l'action de grâce. Alléluia. Que vous découvrez nous, qu'il cache et qu'il sille nous. Au nom de Jésus. Merci d'être toi nous prier. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous qui dans cela nous bénissons et nous disons merci. Pour grâce, vous permettez Matthieu nous être ensemble dans la présence. Oui, avec. Petit garçon yo, avec petite fille yo, dans la tempête ça qui nous y est, dans la tribulation ça qui nous y est, ou dire ou connaît nous là et ou pas quitter nous seul, non, et ça tient à dire, ou pas quitter nous seul. Oui, c'est là Dieu dit, chemin pas facile, mais ou pas quitter nous seul. Fait l'église pas chrétien. Fais l'église par chrétien passer examen pour nous réussir avec de bonnes notes, pour nous réussir avec de bonnes moyennes. Ni jeune fille, ni jeune garçon, ni monsieur marié, ni madame mariée, pas quitter nous faire lâche. Quand nous connaissons le persécuté, temps difficile, mais avec nous-mêmes au Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Que grâce vous couvre nous. Que grâce vous gardez nous. Que grâce vous protégez nous. Oui, c'est nous-mêmes nous croyons. Au nom de Jésus, nous prions.
Le même qu'a vu qu'a régné pour le temps et pour toute l'éternité. On nous crie Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.